bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne vous pas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis content. I'm very happy. Je voulais remercier notre pasteur Eric. I would like to thank Pastor Eric pour son invitation. For his invitation. Et c'est un homme que j'aime beaucoup. Ce matin, il a l'air moche. Et quand je suis arrivé ici, il est venu à la maison avec le bien-aimé. Ils sont venus me voir. Et j'ai beaucoup aimé son esprit. I really love his spirit. Et depuis ce temps, on est resté en communion. Since that time, we've been in fellowship. Et dimanche, quand j'étais ici, je voulais l'écouter. Sunday, when I was here, I wanted to listen to him. Il m'a suivi dehors. He followed me outside. Il a dit, pasteur, si tu peux nous apporter la parole. He said, pastor, can you bring us, bring the word to us? Alors j'ai dit, que Dieu te bénisse. And I said, may God bless you. Maintenant, quand j'étais ici, now when I was here, le frère a fait chanter un cantique que j'ai beaucoup aimé. The brother sang a song that I really love. Qu'il y avait ici plus que Salomon. That it was more than Salomon. Alors je disais, and I was saying, comme j'ai beaucoup aimé ce cantique, yes, I love that song much. Alors je vais prêcher, il y a ici plus que Salomon. Then I will preach this here more than Salomon. Ça c'était un signe pour moi. That was a sign for me. Et je n'ai vraiment pas pensé. I never thought of it. Et je suis parti. And I went home. Puisque je travaille à Liverpool. Because I work in Liverpool. Et j'ai médité sur ça. I meditated on it. Et je suis revenu avec votre cantique. And I came back with the song. Amen. Maintenant, j'ai suivi le sermon du pasteur. Now, I follow the sermon of the pastor. Moi, je dis que si quelqu'un vient ici nous enseigner la parole, I said, if someone comes here to teach us the word, il doit bien préparé. He has to be well prepared. S'il n'est pas préparé, if he's not prepared, il aura d'abord le problème avec nos enfants. He will have the problem with our children. Et après, avec nous. And then with us. Et nous, c'est un très bon enseignement. It was a very nice. L'école du dimanche. The Sunday school. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. I really loved it. Je veux que nos enfants comprennent. I wanted our children to understand. Qu'il y a un Noël. There's a Christmas. Mais pas le Noël de ces gens ici. But not the Christmas of these people here. Amen. Amen. Notre vrai Noël. Our true Christmas. Quand Dieu naît dans nos cœurs. When God is born in our hearts. Mais cela ne signifie pas que Jésus n'était pas né. It doesn't mean that Jesus was not born. Il est né entre mars et avril. He is born between March and April. Car il est un agneau. Because he's a lamb. C'est le moment où les agneaux naissent. That's the time when the lambs give birth. Tout ce qu'ils font ici. All what they're doing here. C'était l'église catholique. It was Catholic church. Donc, il faisait la fête du roi soleil. They were doing a party of the king's son. Comme vous le savez, le 21 décembre. As you know, the 21st. Décembre, oui, le 21. The 21st of December. Le soleil est atteint le point le plus haut loin de la terre. The sun reaches very higher, far away from the earth. Et là, and then, il commence à revenir, minute par minute. Minute by minute. Mais les Romains commençaient à fêter la fête du roi soleil, c'était le 21. But the Romans used to feast the feast of the king's son. Et ils allaient jusqu'au 21. They used to go from the 21st to the 25th. Et quand le christianisme est venu, and when Christianity came, ils ont dit non. They said no. Le sang de là. That son. Nous voulons le mettre à la place du son et le fils. We want to put it under in the place of the son of the child. Et tout ce qu'ils font. And all that they're doing. Comme le pasteur, as the pastor says. C'est une question commerciale. It's just a business. Il n'y a rien de Dieu là-dedans. There's nothing of God in there. Amen. Bon. Et nous allons nous mettre debout pour lire la parole. We're going to stand to read the word. Nous commençons par Matthieu 12. We're going to start by Matthew 12. Si le frère peut lire pour nous. If the brother can read for us. Matthieu 12, verset 38 à 42. Matthieu 12, 32. 38 à 42.
Matthieu 12, nous commençons au verset 38 jusqu'au verset 42. Oui, frère. The field is the word, and the good seed are the children of the kingdom, but the tares are the children of the wicked one. The enemy that sowed them is the evil. The harvest is the hand of the world, and the reapers are the angels. Verset 12. Matthieu 12, 38. And certain of the scribes and the Pharisees answered, saying, Master, we will see a sign from thee. But he answered and said unto them, An evil and adulterous generation seeketh after a sign, and they shall no sign be given to it by the son of the prophet Jonah. For a Jonah was 3 days and 3 nights in the whale's belly. So shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Then the men of Nineveh shall rise in judgment with this generation, and shall condemn it, because they repented at the preaching of Jonah. And behold, a greater than Jonah is here. The queen of the south shall rise up in the judgment with this generation, and shall condemn it, for she comes from the uttermost part of the earth to hear the wisdom of Solomon. And behold, a greater than Solomon is here. Amen. Amen. Ezra 12, verse 17. First Kings, verse 17. In chapter 17. Mm-hmm. Dit, pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison, et il y avait nous deux. Verset 17, 18. Oui, 1, 2, 3. And the woman said, Oh my Lord, I and this woman dwell in one house, and I was delivered of a child with her in the house. And it came to pass the 3rd day after I was delivered that this woman was delivered also, and we were together. There was no stranger with us in the house, save we two in the house. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'il s'était couché sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit et a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Elle a couché dans son sein et son fils était mort. Elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils et voici qu'il était mort. Et j'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils, mon fils que j'avais enfanté. And this woman child died in this night because she overlaid it. And she arose at night and took my son from beside me while thou hadst slept, and laid it in her bosom, and laid her head as her dead child in my bosom. And when I rose in the morning to give my child supper, behold, it was dead. But when I had considered it in the morning, behold, it was not my son which I did bear. L'autre femme dit au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est mon fils qui est mort, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi.
Le roi dit, et l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. And the other said, nay, but the living is my son, and the dead is thy son. And this said, no, but the dead is thy son, and the living is my son. Thus they said before the king. Then said the king, the one said, this is my son that liveth, and thy son is the dead. And the other said, none, but thy son is the dead, and my son is the living. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi, oh mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit, et ne le fais pas mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir, c'est elle qui est la mère. Amen. And the king said, bring me a sword. And they brought a sword before the king. And the king said, divide the living child in two, and give half to the one, and half to the other. Then spake the woman who the living child was unto the king, for her bow here upon her son. And she said, O my lord, give her the living child, and in no wise slay it. But the other said, let it be either nine of them, but divide it. Then the king answered and said, give her the living child, and in no wise slay it. She is the mother thereof. Amen. Tout Israël a pris les jugements que le roi avait prononcés et l'on craignait le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour diriger dans ses jugements. And all Israel heard of the judgment which the king had judged, and they feared the king, for they showed that the wisdom of God was in him to do the judgment. Nous allons prier. Let's pray. Père Céleste, en tant que des hommes qui avons étudié et à l'école, nous voyons la Bible. As men that have studied, been to school, we can read the Bible. Mais l'interprétation, but interpretation, ne vient que du Saint-Esprit. Only comes through the Holy Spirit. Qui a écrit cette parole? That wrote this words. Nous voulons que tu puisses nous éclairer dans ta parole. We want you to clear us. Car toi, tu es la parole. Because you are the word, et cette parole nous donne vie. And this word gives us life. Que ta puissance de résurrection, that the power of resurrection, puisse nous éclairer ce matin, can shine on us this morning. Car nous avons besoin de toi. Because we are needed of you. Bénis-nous, Seigneur. Bless us. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. 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 Moi, avant que on parle de la prédication, before we speak of preaching, j'ai beaucoup aimé la femme là. I really love the child, the woman. Quand on vient la mettre l'enfant qui est mort, when they come to give the child, the dead child, elle dit une chose très importante. She said something very important. Il dit, je regardais attentivement. He said, I considered, I looked very careful. Est-ce que vous regardez attentivement ce qu'on vous donne? Do you look attentively? You see, look attentively, or what? Sinon, elle allait prendre ça. Otherwise, she could have taken. Et si elle n'était pas attentive? If she was not careful. Il a regardé attentivement. She looked at him. Il dit non, ça c'est pas mon fils. She said no, this is not my child. Il y a ici plus que Salomon. There's here more than Salomon. Amen. Amen. Je sais que vous avez déjà écouté cette prédication. I know you've heard so many times. Ça c'est une prédication que nous aimons beaucoup. This is a preaching that we love so much. Je voulais apporter quelque chose ici. I wanted to bring something here. Partant de cette prédication. Going with this preaching. Amen. Amen. Moi, ceux qui me connaissent, those who know me, ils savent que moi, je prends toujours les titres dans l'Ancien Testament. They know that I always take the type in the Old Testament. Comme ça, nous sommes sûrs que ce que je dis vient de Dieu. To be sure that what I'm saying comes from God. Amen. Amen. Nous savons que le roi Salomon, we know that the king Salomon, il était parmi le plus grand roi qu'Israël a reçu. He was among the great
king that Israel ever Maintenant, pour que vous puissiez comprendre Now, for you to understand que nous avons aujourd'hui plus que Salomon, that we have to do more than Salomon, nous devons d'abord savoir we have to know qui est Salomon. Who is Salomon? Qui est Salomon? Who is Salomon? Pour que nous ayons quelque chose de plus que lui aujourd'hui. For us to receive something more than him today. Comment est né Salomon? How was Salomon born? Vous connaissez que le père de Salomon c'était le roi David. You know the father of Salomon was the king David. David avait 700 femmes, entre femmes et concubines. David had about 700 women or girls. C'était nombreux. They had so many. Mais il a un fils. But he had one son. Salomon. Salomon. Qui devient roi? That became Mais, king. Qui est la mère de Salomon? Who is the mother of Solomon? C'est Bathsheba. Bathsheba. Et vous connaissez Bathsheba? And you know who is Bathsheba? Mais qui est Bathsheba? Who is Bathsheba? Ce n'était pas la femme de David au commencement. It wasn't the wife of David at the beginning. Cette femme ici, that woman, c'est la femme de Uri. Is the woman of Uri. Uri, il est un général. Uri was a general. Il lutte pour son roi. He fought for his king. Mais il est de nation. By his of the nation. Mais il était parmi les vaillants soldats de la ville. But he was from the, he was among the greatest soldiers in the city. Il va à la guerre. He goes to the war. Sa femme reste à la maison. His wife stays home. Et il va se laver sans se contrôler. He goes to have a bath without controlling himself. Le roi le voit. The king sees her. Il va la prendre. She took her. Ils ont un enfant. And they have one child. Mais le roi a tout fait pour que Uri aille avec sa femme. But the king did everything that he could for Uri to go with his wife. Uri refused. Uri refused. Alors le roi. Then the king est pris dans un problème. He was taken into a problem. Il ne peut pas prendre une femme avec un mari vivant. He cannot take a woman with a living husband. Ah, ça c'est un problème. That's a problem. Il faut faire quelque chose. He has to do something. Quand il ne va pas avec sa femme, he's not going with his wife. Ah, il va mourir. He has to die. Pour qu'il le paie légalement. So that he can set her legally. Sinon, otherwise, le roi sera dans le problème. The king will be in a problem. Amen. Amen. Alors il fit tout. So he did everything. Il appelle ses généraux. He called his generals. Il le plus proche là-bas. He dit, allez le mettre là où il y a vraiment la guerre. Il doit mourir cet homme. He said, put him where there's a war. He has to die, this man. Et il n'explique pas à ses généraux pourquoi il fait ça. He didn't explain to the generals why he's doing it. Il doit mourir. He has to die. Ils vont, ils le mettent là-bas. The when they put him there, il meurt. He died. Lui, il s'est dit, bon, maintenant, he said, now, c'est vrai, it's true. J'ai fait tout ce que je veux maintenant parler de cette belle femme. Now, I will take this beautiful wife. Je regardais le matin, j'ai regardé le peinture de Bathsheba. This morning, I was looking at the drawing of Bathsheba. Elle était une très belle femme. She was a beautiful woman. Quand les artistes font quelque chose sur elle. When the artists draw something. Et David va prendre cette femme. And David goes and takes this. Il pensait qu'il était un peu à l'abri de Dieu de là-bas. He thought he was hiding himself. God. Mais le prophète l'a vu. But the prophet saw him. Et il a parlé à lui. And he spoke to him. Et après cet enfant-là qui est né de l'adultère. And that child that was born through adultery. Il était mort. Died. Quand il meurt, when he died, le roi David dit, the king David said, maintenant je dois aller prendre Bathsheba. Now I have to go and take Bathsheba. Bathsheba n'avait pas d'enfant avant avec Uri. Bathsheba didn't have any children before with Uri. Il avait un mari, he had a husband, mais il n'avait pas d'enfant. But he didn't have any kids. Je suis allé chercher le nom de Bathsheba, ce que ça signifie. I went to look for the name of Bathsheba. What ça signifie septième vie. It means septième fille. Seventh woman. Yeah. Septième fille. It means seventh. C'était la fille du Salomon. It was the seventh daughter. Oui, c'est ça. Seventh daughter. Donc, cette femme ici. And that woman. Elle a vraiment attiré l'attention du roi. And really attracted the attention of the king. Vous allez le voir après. You will see after. Que le roi fait une promesse à Bathsheba. That the king made a promise. Pas n'importe quelle promesse. Not any kind of promise. Le roi a fait une promesse. Le roi David. The king David. Il a dit à Bathsheba. Told Bathsheba. Que ton fils. That your c'est celui qui va succéder sur mon trône. Is the one who will take over my. C'est Bathsheba qui le savait. It's only Bathsheba. Elle n'a dit à personne. She didn't tell anybody. Et ils sont restés comme ça. Et David avait toute sa famille. They remained the days David with all. Et le petit Salomon a aimé. And
Solomon was born. Vous savez, Salomon, ça signifie la paix, plénitude, paix. And Solomon means peace. En hébreu, ça signifie aussi shalom. In Hebrew, it also means shalom. Amen. Donc, ça signifie prospérité. It means prosperity. Et paix. And peace. Et Salomon est né. And Salomon, il a commencé à grandir. Il a commencé à grandir. Sa mère, Bathsheba, disait, mon fils sera roi. L'autre mère ne savait rien. The didn't know. Et comme vous le savez, you know, cette image, that image qui fait que David, that meant that David a tué Uri pour prendre sa femme, to go and kill Uri, to take his wife. C'est ce que Dieu a fait avec nous. That's the same thing that nous, God nous avons une nature. We had a nature. Nous étions idolâtres. We were adults. Nous étions des nations qui ne se connaissaient pas Dieu. We were a nation that didn't know God. Nous avions un mari. We had a husband. Qui était le diable. Who was the devil. Et Dieu pour nous prendre. And God to take us. Il devait tuer le diable de cette nature pécheresse. He had to kill that devil, that sin of nature. Pour nous prendre. To take us. Toi, tu ne peux pas être l'épouse de Christ. You cannot be the bride of Christ. Si tu es idolâtre. If you are in tu ne peux pas être l'épouse de Christ. Be the bride of Christ. Tu ne peux pas être l'épouse de Christ. You cannot be the bride of Christ. Avec cette nature mondaine. With this worldly nature. Dieu va d'abord tuer la nature. God has to kill the nature. Et il peut te prendre là. And then he will take you later. J'avais un frère là-bas, j'allais prêcher quelqu'un en Italie. I had a brother when I used to go to preach in Italy. Je dis, viens à l'église. I said, come to me. Il disait, non. He said, no. Moi, je fume. I smoke. Je vais d'abord laisser le fumer. I want to stop smoking first. Après, je vais venir à l'église. And then I will come to moi, j'ai dit, mais quand tu fais ça, I said, when you do that, qu'est-ce que Dieu va faire? What God, what will God do? Tu dois venir avec la fumée, c'est mieux. Smoking. Si tu sais, you know, si nous voulons changer, nous voulons changer notre nature. If we want to change our nature, ça n'ira pas. It will not work. Tu dois laisser Dieu changer ta nature. You have to leave God change. Enlevez tout ce qui n'est pas bon en toi. Take away everything that's not good in you. Comme ça, s'il te lave, then if you wash, il peut venir habiter en toi. He can come and live in you. Car nous sommes les temples de Dieu. Because we are the temple of God. Amen. Amen. Alors David, a vieilli. Became old. Alors il allait mourir. And then he wanted to die. Un jour, one day, quand son l'aide de son fils Adonia, when one of his son, Adonia, il vit que son père était vraiment très malade, il a vieilli, il va mourir. He saw that his father was very sick, he is going to die. Alors, il veut devenir roi. He wants to become king. Alors, il va, il organise, il appelle ses amis. He goes and organizes, he calls his friends. Il dit, venez ici. So come here. Moi, je suis le roi d'Israël. I am the king of Israel. Ils ont fait la danse. Ils ont mangé. Il a appelé tous ses amis. Call all of his friends. Mais il a oublié d'appeler le prophète. But he forgot to call the prophet. Il n'a appelé ni Salomon. He called ni sa mère. No, ni le prophète. No, et il n'a même pas dit à son père. And he didn't tell his father. Quand David était vivant. When David was alive. Quand c'est David qui devait montrer son successeur. Because it was David who was to be his qui devait montrer le successeur. Qui David, va. Or David was supposed to show who's going to replace him. Alors il commence à faire la fête. And he started doing the party. Et cette histoire arrive dans les oreilles de Dieu. And that story came unto même le prophète. And the prophet. On dit qu'est-ce qui se passe là-bas? He said, what happened? Il dit non, Adonia est devenu roi là-bas, roi d'Israël. Adonia has become the king of Israel. Il dit comment ça? He said, how come? Alors le prophète Nathan appelle Bathsheba. And the prophet Nathan called Bathsheba. Il dit Adonia est en train de devenir roi. He said, Adonia is becoming a king. Il dit c'est comme ça? Il dit how is it? Va chez le roi, entre. Dans la chambre du roi. Go to the king's chamber. Commence à dire lui. Tell him. N'est-ce pas que tu as promis à ta servante? Didn't you promise to your servant? Que ton fils deviendra roi. That your son shall become king. Mais comment Adonia devient roi? How come Adonia is becoming king there? Alors quand tu commenceras à parler. When you start speaking. Moi je vais venir. And then I will come. Moi je vais faire quelque chose. I will do something. Alors, Bathsheba, then Bathsheba va et entre dans la chambre là où était David. Go and enter in the bedroom where David was. Alors, David sait que Bathsheba est là. David knew that. Il demande à Bathsheba, mais qu'est-ce qui t'amène? He asked Bathsheba, what brings you here? Il dit, mon Seigneur, he said, my Lord, n'est-ce pas que tu m'as donné une promesse?
Didn't you promise? C'est pourquoi quand tu pries, because when you, that's why when you pray, donne à Dieu sa promesse. Give to God his promise. Ne va pas dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça. Dieu va te donner ça en base de quoi? God will give it to you in one place. Amène la promesse à Dieu. Bring the promise to God. Alors il va là-bas et dit, then he goes and says, ne m'as-tu pas promis? Didn't you promise? Que mon fils deviendra roi. That my son will become king. Mais comment Adonai a devenu roi? How come Adonai became king? Et pendant qu'elle part, and while she was speaking, le prophète arrive. The prophet comes, gets there. Et le prophète finit la chose. The prophet finished. Il dit non, cet enfant-là, comment les choses doivent être comme ça? How things, why things are like David écoute, David écoute, il dit non. Allez appeler Salomon. Go and call Salomon. On a appelé Salomon. Go call Salomon. Alors il dit, and then he said, le prophète, the prophet, prend l'huile de l'onction, take the anointing oil, va oindre Salomon, go and anoint Salomon, et le prêtre sera là, and the priest will be there. Benajai est le prophète, il dit il sera là, Benajai, et on va le oindre, il va devenir le roi. They go to anoint him, he's going to become a king. Et ils ont fait ce que le roi a dit. They did what the king. Quand ils sont là-bas, ils sont allés là-bas. When they got there, ils ont oué Salomon. They anointed Salomon. Il est monté sur un cheval. He went up on a horse. Et ils ont commencé à faire des bruits. They start making noise. Et Adonia et son groupe, ils ont écouté. And Adonia and his group started. On leur dit, qu'est-ce qui se passe là-bas? They told him, they asked. Il dit, what happened there? Le prophète a oué Salomon, the prophet anointed Solomon, il est devenu roi d'Israël, he has become the king avec la bénédiction de David. With their blessing. Alors cet homme-là, il a commencé à trembler. He dit, moi je vais mourir. He said, I'm going to die. Je vais mourir. I'm going to die. Comment toi, how come, God, tu acceptes, you believe, you que, accept, que Dieu va te bénir, that God is going to bless you, si tu n'as pas l'onction du prophète. If you don't have the anointing of the prophet. Comme le pasteur le disait ici, and the pastor was saying here, nous avons une étoile. We have a star. Tu peux, tu ne connaîtras jamais Dieu. Amen. Never know God. Si tu ne suis pas cet homme, if you don't follow, amen. Car lui connaît le lieu d'adoration. The place of worship. Nous avons vu ton étoile. I've seen your star. Et nous sommes venus t'adorer. We've come to worship. Et c'est le prophète qui connaît là où il y a l'adoration. It's the prophet who knows where the worship is. Car il est entre les mains de Dieu. Because he's at the hand of God. Toi tu deviens roi. You become a king. Tu refuses le prophète. You refuse the prophet. Qui va te oindre? Who's going to anoint you? Qui va te voir? Who's going to anoint? Tu vois? Hey, c'est moi. Les hommes peuvent faire ce qu'ils font. Men can do what they can. Même l'Église catholique a beaucoup de croyants. Even Catholic Church has so many believers. Mais Dieu, but God, il a un dernier mot à dire. Has the last word to say. Les gens peuvent faire tout ce qu'ils font. People can do whatever they want to do. Ils sont majoritaires aujourd'hui. They are a majority today. Quand tu te lèves aujourd'hui, when you raise up, et condamne tout ce que les gens font, and condemn everything that people are doing, toi tu deviens une mauvaise personne. You become the bad one. Quand tu condamnes le mariage homosexuel, when you condemn the homosexual, c'est toi qui es dans la condamnation. On va t'accuser. They will accuse you. Amen. Essaye de citer un peu le prophète. Try to mention the prophet. Tu auras des problèmes. You will have problems. That's true. C'est comme ça que le roi Salomon, that's how the king Salomon devient roi. Became king. Il est dans le droit chemin. Il est oué par le prophète. He's in the right way. He's anointed by the prophet. Accepté par son père. Accepted by his father. Mais ce roi ici, by this king here, il a un grand travail, il le sait. He had a great work. Car David a rassemblé beaucoup de servants. Beaucoup d'histoires. David gathered so many histories. Il devait construire la maison de Dieu. He was supposed to build the house of God. Mais qui va faire ce travail? Who's going to do that work? C'était le roi Salomon. It was the king Salomon. Ça c'est une plus grande chose. That was the greatest thing. Qu'Israël pouvait avoir. That Israel could have. Vous savez que Dieu, you know that God, se promenait de temps en temps quand ils étaient dans le désert. He used to walk tent by tent when they used to be in the desert. Il devait avoir un endroit fixe. There was supposed to be a fixed place. Là où il devait aller adorer. Where he was supposed to go and worship. Et là, c'était le roi Salomon qui devait le construire. It was
Because the king Solomon was supposed to build it. Alors, quand il devient roi, when he became king, il fait prier. He did a prayer. Il va prier. Il dit, Seigneur, said, Lord, tu sais que, you know, on va lui savoir. Il dit, Seigneur, said, Lord, tu sais que, you know, moi, je n'ai pas d'expérience. I don't have experience. Je suis jeune. I'm young. Mais je dois conduire ton père. I have to lead your people. Mais ce que je te demande, what I ask you, donne-moi la sagesse. Give me wisdom. Donne-moi le discernement. Give me the discernment. Ça, c'est très important. This is very important. Si nous sommes dans 1 roi 3, je vais le lire. Ça va nous servir dans la prédication. First Kings 3, I'm going to read it. It's going to help us in the preaching. Mm-hmm. Le verset 8, on va croire le verset 8, il dit ceci. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. And the servant is in the midst of that people. Peuple immense qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude. A great people that cannot number nor count by multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger le peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourra juger de ton peuple, ce peuple si nombreux? Give therefore the servant understanding heart to judge the people, that I may discern between good and bad. For who is able to judge this thou so great people? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. And the speech pleases the Lord. Écoutez, Dieu me dit, listen, puisque c'est là que tu demandes, puisque tu demandes pour toi ni une longue vie, ni de richesse, ni mort de tes ennemis, et que tu demandes l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent. De telle sorte qu'il n'y aura personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne semblable à toi. And God said unto him, because thou hast this thing and has not ask for thyself long life, neither has asked riches for thyself, nor has asked the life of thine enemy, but has asked for thyself understanding to discern judgment. Behold, have done according to the word, nor have given thee a wise and understanding heart, so that there was none like thee, therefore, neither after thee shall any lack unto thee. Amen. Amen. Et écoutez, Dieu dit il n'y aura personne comme toi. God said there will be no one like you. Mais Jésus quand il vient, Jesus, when he came, il dit il est ici plus que Salomon. He says, yeah, there is more than Salomon. Amen. Amen. Oh, Jésus dit ça. Jesus said. Amen. Amen. Suivez-moi très bien. Amen. Listen to me carefully. Je n'ai pas encore commencé la prédication. Je vous expliquais Salomon. I will explain to you Salomon. Mais nous, notre prédication, c'est plus que Salomon. Amen. Our sermon is more than Salomon. Amen. Amen. Et cet homme ici, and that man here, Dieu lui dit, personne ne sera comme toi. No, car ta prière me plaît. Because your prayer pleases. Tu demandes la sagesse et l'intelligence. You're asking for wisdom and knowledge. Alors, en plus de ça, to add, je vais te donner la richesse. I will give you. Puisque si tu es sage, if you're wise, tu vas bien conduire ta richesse. You will guide your, you will know how to use your wealth. Amen. Amen. Tu sauras comment le faire. You will know what to do. Et le frère Branham dit, le discernement, la sagesse, the wisdom, c'est la mère. Is the mother de tout ce que vous avez comme don sur la terre. Of all that you have as gift. Amen. Et nous voyons que ces dons, and we see that this a amené même la paix sur la terre. Even brought peace on earth. Il y a ici plus que Salomon. There is here more than Salomon. Au paragraphe 49, paragraph 49, le frère Branham dit ceci. Ça se prêchait le 3 juin 64 à Dallas, au Texas. In Dallas, Texas. Il y a ici plus que Salomon, paragraphe 49. And here more than Solomon, paragraph 49. Et dans l'âge de Salomon, and in the age of Solomon, un grand réveil avait lieu. There was a great revival. Je vais l'apporter un peu comme une image. I want to take it as image. Pour que le jeune puisse comprendre. So that the young people could understand. À l'époque de Salomon, at the time of Solomon, un grand réveil avait lieu. The great revival took place. Dieu avait donné un don.
God gave a gift. Et toute la nation and all the nations s'était rassemblée autour. They all gathered around. Tout le monde everyone était venu. Came. Et ils y croyaient de tout leur cœur. And they believed in all their heart. Et paragraphe 50. And paragraph 50. Je suis dans Yahshi puisque ça remonte le 3 mars 64. Le 6 mars 64. The 6 March 64 péché à Dallas. Ce sera merveilleux. It will be great. N'est-ce pas? Really? Si ça se produisait parmi les gens ce soir, if it can be produced among these people tonight, si l'Amérique, if America, tous ceux qui se disent chrétiens, all that has called themselves Christians, se rassemblent autour des dons de Dieu, gathered around the gift of God, en ces derniers jours, in this last day, le fusion du Saint-Esprit, the Holy Spirit, sur le gens, on the people, c'est le don de Dieu en ces derniers jours. It's the gift of God in this last day. C'est le Saint-Esprit. It's the Holy Spirit. Christ sous forme de l'Esprit. Otherwise, in the form of the Spirit. Il est ici avec nous maintenant. Ne serait-ce pas merveilleux? Is it not wonderful? Si toutes les églises, if all the churches qui professent le christianisme that profess to be se rassemblent autour de ce glorieux don around this great que Dieu nous a donné. That God has given us. Mm. Mais pourquoi why is it il place ça dans toutes sortes de d'ismes? That God is all in all kinds of ismes. Des credos, and creeds, des dogmes. And dogmas. Et on ne sait plus où on est. And you can't tell. C'est exactement comme ça qu'ils ont toujours fait. It's exactly the way they have always done. Mais Dieu a promis. But God promised. Que ça serait redressé. It's amen. It's strengthened. Au moins pour la semence. To the seed. Au temps de la fin. Anyhow, at the end time. Amen. Amen. Et rappelez-vous là où nous avons lu. Remember where we read. Jésus est en train de reprocher le gens de sa génération. Jesus was reproaching people of his generation. Il dit, he said, cette génération adultère et méchante. He said, this adulterous generation. Il demande un signe. They ask him for a sign. Moi, je suis le signe. I am the sign. Il donne le premier signe. He gives the first sign. De la résurrection. Of the resurrection. Il parle de Jonas. He speaks of Jonas. Et il donne un autre signe. And he gives another sign. De celui de Salomon. Of Solomon. Le discernement. The discernment. Ça, c'est un signe du Messie. That's a sign. C'est vrai le pasteur qui l'a dit ici. Your pastor said it here. N'est-ce pas, pasteur? Ça, c'est le signe du Messie. That's the sign of the Messie. Mais comment la femme samaritaine, how the Samaritan woman, a su que cet homme c'est le Messie? Knew that this man was the Messiah. Mm. C'était par quoi? How was par le discernement. It was by discernment. Amen. Jésus arrive pour chercher sa fille. Jesus comes to look for his work, for the wife. Le chef de Samarie. The people of Samaria. Ils avaient le photo de cette femme avec tous les maris. They have the picture of that woman with all the husbands. Premier mari. First husband. Deuxième mari. Second husband. Troisième mari. Tout le monde avait le photo. Everyone had the picture. En Samarie, in Samaria, cette femme est adultère. That woman is an adulterer. Mais pour Jésus, but for Jesus, elle est une femme sainte. If she is a holy woman. Car les hommes regardent les œuvres. Because people look at the man. Ne discernement. The discernment. Ne regarde pas ses mal extérieur. Don't only look at the outside. Il va jusqu'à l'intérieur. Because all the way. Regardez ce qu'il y a dedans. Amen. Look what is inside. Tu sais quand tu fais quelque chose. You know when you do something. Le charme du monde. Frère Joseph a fait ceci. Frère Joseph a fait ceci. Mais ils ne peuvent pas entrer dans le cœur de Frère Joseph. They cannot go inside the heart of Brother Joseph. Pour voir to see comment il est arrivé là. How did he got there? C'est pourquoi. That's why. Pour juger un peuple de Dieu. Judge the people. Tu as besoin de discernement. You need a discernment. Quand tu n'as pas le discernement. When you haven't got it. Tu es un mauvais juge. You are a wrong judge. C'est pourquoi l'homme. That's why man. Dieu a prouvé dans la Bible. God has proven in the Bible. Qu'il est un mauvais juge. That is a bad judge. Commençons d'abord avec son père David. Let's start with his father David. Quand le prophète va lui dire. When the prophet went to tell him. Il y avait un homme. There was a man. Il avait 99 brebis. He had 89. Et quelqu'un d'autre en avait un.
Et quelqu'un d'autre en avait un. And one person had one. Il a reçu le visiteur. He had visitors. Le visiteur peut être le mensonge. The visitor can be lies. Le cigarette. Cigarettes. Tous ces histoires also, sont des visiteurs. They are visitors. Quand il vient chez lui, when they come to him, pour le satisfaire, to satisfy him, tu as besoin de quelque chose. You need something. Il dit, il laisse le 99. He said he left his 99 pour nourrir son visiteur. To feed his visitors. Il va prendre celui qui a le vin. He only go and take the one who had only one. Toi, l'homme selon le cœur de Dieu. You, a man according to the heart of God. Le plus grand roi d'Israël. The great king of Israel. Donne le jugement. Give the judgment. Et il sait qu'on doit mourir. He said, this man has to die. Il dit, mais c'est toi. But he said, but hey, no. Si c'est pour toi, non. If it's for you, si c'est pour ta famille, non. If it's for family, mais si c'est pour l'autre. But if it's for the other, il doit mourir. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, that's what Jesus said. Priez les uns les autres. Pray one to another. Le jugement, the judgment, Dieu l'a gardé pour lui. God kept it for himself. Même pour l'homme. Even for a man. Dieu a donné les clés de la vie. God kept du ciel. The key of heaven. Il a donné à Pierre. He gave it to Peter. Et à un homme. To a man. Mais les clés de la mort, de séjour des morts. By the key of the death and the c'est Jésus qui l'a reçu. De telle façon que